toujours pas ce pinceau là, ça vaut combien de navets ce truc, c'est trouvé. Ah ah, mais c'est joli. Bon allez, où est-ce qu'il est mon cahier de maths? Non, il est pas là. Il est pas là. J'espère que c'est pas encore cette peste là qui me l'a volé. Mais c'est pas possible, je le trouve nulle part quoi. Où est-ce qu'il peut bien être? Quoi encore? J'en ai marre, Lily Rose. T'as invité un copain ou quoi? Non. Une copine? Non. Non mais on dirait qu'il y a toute ta classe devant la maison, ça fait 20 minutes que ça arrête pas de sonner. Mais y a rien du tout, je te promets, j'ai invité personne. Non mais moi en ce moment j'arrête pas de stresser, ça n'arrête pas de sonner à la porte, hier pareil. Bah va voir, non. Hier pareil, pendant 30 minutes voire une heure, ça arrêtait pas de sonner. Bah va voir qui c'est. Ouvrez-moi, c'est votre cousin Valentin. Non mais imagine si c'est notre cousin ultra relou. Ah lui je le déteste. Non mais la dernière fois qu'il est venu chez nous c'était quand déjà? C'était en 2017. C'était il y a hyper longtemps et il avait fait n'importe quoi, il avait tout cassé. Non mais la dernière fois qu'il est venu là c'était dans notre ancienne maison. Il a cassé les toilettes. La télé. Il a cassé la télé. Il a tout cassé. Il est resté que deux jours et tu te rends compte que il a même cassé ma Switch là. Ouais. Si tu vas ouvrir Mais de toute façon moi il me fait pas peur. Allez vite. Si tu vas ouvrir, je t'offre ce que tu veux. C'est ouvert. Oh là là. J'espère que c'est vraiment pas lui. Parce qu'à chaque fois il sonne pendant longtemps. Donc je pense vraiment que c'est lui pour le coup. Bon allez, j'espère que c'est pas le cousin relou là qui sonne à la porte. Mais salut. Qu'est-ce que tu fais là? Bah je reste là pour le week-end, enfin... Mais qui t'a dit de venir? Repars chez toi là. Mais personne t'a invité. Non, je dois aller. Mais on t'aime pas, Esteban il t'aime pas, moi je t'aime pas, donc tu vas retourner chez toi. C'est Esteban qui m'a invité en plus. C'est Esteban qui t'a invité, mais Esteban il a peur de toi, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais? Hop. Maintenant, oui, les gars, s'il vous plaît, j'ai envie d'avoir un petit peu d'intimité, de me reposer. Bon, j'ai je vais prévenir Esteban, hein, parce que... bizarre. Ah, elle est sympa, cette chambre, là, celle d'Esteban. Allez, ça va, là. Arrêtez, là, le jeune. J'ai pas envie d'avoir ça là, à côté de moi quand j'ai envie de dormir. Eh oh! Esteban, j'ai un truc à dire, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Le cousin relou est arrivé. Non, mais c'était bien lui, du coup. Et... s'est installé dans ta chambre. C'est une blague. Bah ouais. Tu l'as laissé aller dans mais ma chambre. J'ai pas réussi à le faire partir. Non mais je t'avais dit qu'on ne laissait même pas rentrer. Ça va, il m'a dit qu'il était là que pour le week-end et tout, mais il a pris une valise. Pour un week-end, mais un week-end c'est deux jours. Mais il a pris une valise carrément. Non mais c'est sûr qu'il va commencer à casser des choses là. Mais... Non mais on vient d'emménager dans une nouvelle maison. C'est bien ça quand même. Wow. Mais il y en a plein en plus. Oh. Faut aller le voir et on l'explique. Non, peut pas et on va rien lui expliquer. Il faut le virer. Mais comment on va faire? Pourquoi tu lui as ouvert la porte? Mais il est rentré tout seul. Il est rentré tout seul. Oui. Tu penses qu'il a la clé de chez nous? Bah, je pense bien parce que. À moins qu'à cause de toi, la porte ne soit pas fermée. Parce que c'est vrai que c'est toujours toi qui oublies de fermer la clé. Ouais, bien sûr. Toujours moi. Tu sais ce que je vais faire? Dans la chaussure, tiens. Je peux enfin me reposer. Alors comme ça, il est dans ma chambre. Il y a quelqu'un ici? Eh oh! C'est pas possible! Il est là! Non mais je rêve! Non mais je rêve, je... Stéphane, non, de... Ça... Bah, de quoi ça va? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Bah je suis là, enfin je vais dormir. Oui, aussi. Tu es là, non mais... Et puis c'est qu'est-ce que t'as... Ma télé, c'est pas possible, elle est déjà par terre. Tu commences déjà à casser des trucs alors que t'es arrivé depuis même pas 10 minutes. Non. Et tu voles en plus des choses. Non mais franchement, prends-moi ça. Non mais je ne tolère pas ce comportement chez moi. Et en plus c'était un paquet plein, maintenant il est vide. Dans les chaussures, t'as mis des barres au chocolat dans les chaussures. Allez. Bon, là les amis, j'en peux plus. Si vous avez des cousins comme ça, ne les invitez jamais chez vous parce que c'est des vraies catastrophes. Regarde qui est là. Bonjour. Oh non.
Il est venu? Ah bah oui. Mais comment ça se fait que t'es là, toi? Le cousin relou. Bah oui, mais... Vous m'avez invité. Ah bah non, je l'ai certainement pas invité. Hein. Mais comment ça se fait que t'es venu ici? Bah j'ai reçu un message, pas... Non, il dit qu'il a reçu un message, non mais... En tout cas... Je vais aller voir Lily Rose, on va préparer quelque chose pour toi. En attendant, surveille-le parce que on sait pas de quoi il est capable. Il a déjà failli casser ma télé, il est en train de voler des barres chocolatées. Non mais après, ça sera quoi? Il va s'installer ici pour toujours? Non mais... J'arrive. Bon, j'espère qu'il va pas faire trop de bêtises parce que sinon ça va encore être de ma faute. Oh là 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 là. Il a fait quoi? Ah, bêtise sur bêtise, ça fait que 2 minutes qu'il est là. Il a déjà volé des barres chocolatées. Il en a mis partout dans mes chaussures, dans ses poches. Là, il est avec Peppa Pink. Ouais. Je vais envoyer un message à Peppa Pink en lui disant trouve un moyen de le virer le plus rapidement possible. Okay. Nous, on sort plus de la chambre, ok? Ah, écoute, Valentin, t'aurais dû prévenir. Ça se fait pas de venir chez les gens comme ça sans prévenir. Tout au moins, t'aurais dû dire à ton père de me prévenir aussi. Hein. Ah, pourtant, si, j'avais prévenu. Enfin, même, c'est vous qui m'avez invité à la base. Mais non. Attends. Attends 2 secondes. Il faut plus qu'on le voit. Okay. Sinon, on va avoir pitié. Ok, je suis en train d'envoyer le message. Tac, s'il te plaît, Peppa Pink, trouve un moyen de virer le cousin relou. Hop, c'est bon. Valentin, j'ai quelque chose d'urgent à faire, il faut que tu viennes avec moi. D'accord. Attends, je dois partir, on doit partir. J'espère qu'on aura plus de problèmes. Bon bah s'il trouve une solution... J'espère qu'il va en trouver une rapidement parce que... Là, ça devient plus possible. Donc je t'accompagne, tu viendras plus tard à la maison. Hein, et puis on s'arrangera de toute façon, je vais préparer ta chambre tout à l'heure. Hein, ok? D'accord, ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure, hein. Ok? Allez. Bon voilà, nous voilà débarrassés. Bon, faut que j'aille voir Esteban. Oh là, c'est bon. Ah, vous êtes enfin. Bon, j'ai eu ton message. Ok. Il est parti au moins. Ouais, j'ai mis dehors. C'est vrai? Ouais, il est parti. Merci. Ah, je lui ai dit qu'on allait faire des courses. Il est parti. Donc, et tu l'as laissé où du coup? Moi, j'espère qu'il a montré. J'ai accompagné à la porte. Ah, bah non, mais j'espère qu'il revient dans une heure ou deux. Bah, de toute façon, d'ici, j'ai fermé la porte à clé. Ouais, t'as regardé s'il a pris des trucs ou quoi? T'as bien fermé la porte à clé. Bah oui, parce que j'ai l'impression qu'il sait ouvrir les portes. Hein. Je sais pas pourquoi, mais. Je vais attendre ici. Jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Et quand ils dormiront, je pourrai faire enfin le bazar chez eux. C'est bon. Écoute, je vais quand même aller vers. Oui, tu peux, oui, allez. Peppa Pink, il est relou aussi. Il faudrait le virer comme le cousin relou parce que... Ah non, quand même, il nous a aidé à... Et puis il fait la cuisine, il fait le ménage, c'est vrai. Bon, en tout cas, les amis, si vous avez des cousins relous, des cousins énervants, embêtants comme ça, bah dites-le nous en commentaire parce qu'au moins, on sera pas les seuls. Et surtout, bah n'hésitez pas à les mettre dehors. Non, je rigole, ça c'est pour la vidéo, c'est pour le sketch. N'hésitez pas à liker. Si vous voulez revoir le cousin, dites-le nous aussi. Et... Oui. J'ai oublié de fermer la porte à clé. Bah vas-y. Ah, mais ça veut dire qu'il est quelque part dans la maison. Lily Rose va l'aider à le chercher. Bon, okay, allez. En tout cas les amis, n'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner. Si vous vous abonnez, activez la cloche ou cliquez sur une vidéo qui apparaît juste ici. À la prochaine. Bye bye. La chaîne de la sorcière aussi. Oui, la chaîne de la sorcière. La sorcière de Pink Lily, allez voir ça. Allez, ciao.